Toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes le 18 avril. Donc j'ai vu le neuro hier. Bon, malheureusement, rien de bien particulier puisque de toute façon, on n'a pas de traitement possible pour moi. Là, il va me faire faire parce qu'en fait, on m'a fait que l'IRM crâne alors que normalement, il avait demandé aussi moelle épinière. Donc là, je vais la voir puisque comme maintenant, il y a aussi des lésions à ce niveau-là. Ouais, rien de particulier. Alors, je lui ai parlé justement des problèmes. Je vous ai dit que je ferai une vidéo, qu'on oublie les mots en machin, en truc. Il m'a dit que me concernant, oui, il va me faire faire un bilan neuropsy, mais il se fait aucun souci pour moi, puisque il trouve que je parle très bien, que non, j'ai pas de problème. C'est que je me fixe, moi, une barre très haute, chose que j'ai toujours fait. Donc oui, il y a sûrement une diminution, mais je reste, voilà. Sinon, bah non, il m'a rien dit de bien particulier, voilà, malheureusement. Donc bah, ce week-end, je vous ferai donc les trois vidéos. Enfin non, je ne vais pas les faire ce week-end les trois, mais je vais en faire. Ah, non. Oui, je suis dans une salle. Voilà, hop là, je suis tombé mon téléphone. Donc je vous ferai vidéo. Donc je vous ai dit donc notre caractère et l'entourage, les mots qu'on oublie et tout, que voilà les gros problèmes de mémoire. Et puis justement, je vous parlerai d'un test qu'on m'a fait faire plusieurs fois à CarePap, qui peut être pas mal à faire pour certains d'entre vous qui se tracassent un petit peu pour ça. Et puis ben voilà, donc là je vous dis, il y en a deux qui vont se foutre de moi notamment, pas enfin, peut-être plus, mais voilà, et j'ai oublié le troisième sujet, mais ça reviendra. Donc je vous fais plein plein de gros bisous, merci pour tous vos messages, et puis ben portez-vous bien, il fait très beau là, je suis contente, ça y est, le soleil, faut il faut qu'il reste maintenant. Gros bisous, et puis ben à plus tard.